Allez, Céleste, les amis. On continue. Nous étions... Oh, à un point culminant de la phase B du chapitre 6. Donc, en vrai, je pense qu'on va même retourner à la carte, ce sera mieux. Saloperie de saucisse. Oh là là, les 243 morts, là. Comme ça, on regarde un petit peu là où on en était. On refait un petit topo. Céleste, qu'est-ce qu'on fait? Où on en est? C'est quoi l'histoire? C'est quoi les bails? Céleste, nous sommes sur Farewell, techniquement. Le dernier chapitre, le chapitre DLC. Sauf que, à un moment donné, dans ce chapitre, on est confronté à un mur. Et ce mur, pour pouvoir le franchir, il faut avoir tous les cœurs que vous voyez là, bleu et rose. Il faut avoir quasiment tous les cœurs sauf un. Il y en a un qui n'est pas obligatoire de le choper. Et bien évidemment, je ne les avais pas, tous ces cœurs. Moi, j'en avais que 4, parce qu'il y en avait 4 qui étaient obligatoires pour le chapitre le cœur. Et les autres, je ne les avais pas fait, par pure flemme. Donc en fait, du coup, bah, si je veux continuer dans le chapitre qui s'appelle Adieu, je dois avoir ces cœurs-là. Et il m'en reste donc 3 à choper. Donc là, on en est au chapitre Réflexion. Il me reste le cœur rouge à choper, qui est le cœur de la face B. Après, il nous restera le sommet. Donc dans le sommet, il nous faudra le cœur bleu de la face A. Il faudra qu'on trouve la cassette de la face B. Et une fois qu'on sera dans la face B, il faudra qu'on fasse... Bah, toute la phase B pour choper le cœur rouge. Voili, voilou. Oui, parce que en gros, les cœurs bleus qui sont dans les faces A, ce sont des cœurs cachés qu'on trouve dans des endroits un petit peu sneaky des maps. Et pour les phases B, le cœur s'obtient à la fin de la phase B. Donc là, on en était, je dirais, à peu près à la moitié de la phase B, ou peut-être un tiers. Et du coup, on continue. Allez, c'est parti. Et là, là, ça va être la confrontation avec Badeline, là. Ah, j'avais pas coupé la musique. Si. Ça fait peur. On tombe dans les ténèbres. Couper la musique de Céleste. Non, parce qu'en fait, on s'était écouté la musique de la face A. Parce qu'on disait que la... Aïe, que la musique de la face A était plus banger. Aïe, il y a Kevin. J'avais pas vu Kevin. Ouais, bon, faut le lâcher, Kevin, à un moment donné. C'est pas trop fort. Ça va? Ouh. Ok. Ah non, dommage, je l'ai lâché un peu tard. Ah, je lâche trop tard. Parce que comme je glisse de lui, je mets un peu de temps à vraiment tomber. Ah mais là... Oh, mes crottes! Oh, j'ai un très mauvais timing, là. C'est un truc de fou! Après, je peux peut-être rebondir sur le mur. Ça m'aidera peut-être un peu mieux. Mauvaise idée. Coucou, Vintard! Merci beaucoup! Bisous à toi. La bisouille. Je vais péter un câble. J'arrive pas à descendre de Kevin. Ah, il y avait un deuxième Kevin. Ah non, j'avais bien rebondi en plus. Mais... Je suis trop bête, je rebondis vers la gauche au lieu de vers la droite. Tout va bien, c'est le temps de se réveiller un peu. Ok. Mmh.
Oh non, jure, ça l'a pas tapé. Et ouais, mais bon. Faut être un sniper, là. Et oui, non. C'est pas grosse, ça va? Ah, dommage. Parce que là, en plus, pareil, je pense qu'il faut pas dash après qu'on se fasse bump. Garder le dash. Ah! Los bumpers de la muerte! Eh ouais, les bumpers, il faut bumper au bon angle si tu veux partir dans la bonne direction. Mais... Crottin. Bon. Ah non, c'est bon. Je pouvais dash. Oh, j'adore. Moi, j'adore les jeux vidéo qui font ça. C'est tellement satisfaisant. C'est les petits détails qui me font plaisir. Ça va, Margros, merci. Allez-vous-en, les ténèbres! Non! J'aurais pas lu. Ok. What? Il y a un passage à droite, peut-être? Ah, il y a un Kevin. Ok. L'est-il? Attends, je crois que j'ai compris. Ok. C'est bon, cerveau en éruption là. Ah non! Cerveau pas si en éruption que ça quand même. Ah oui, mais je refais deux fois la même erreur! Faut pas se servir de l'élan. En fait, c'est ça qui est bâtard, c'est que ces blocs là. On peut se servir de leur élan pour se propulser sans avoir à dash. Et là, il faut se retenir de se servir de l'élan. Voilà. Oh non, les salauds! Ils se sont mis des piques à l'arrivée. Vraiment des petits trolls, hein, ces devs. Aïe. Oh, chelou ça. Ah. Non. Putain, oh, le full contrôle là. Je vais essayer d'économiser mes dash au max. Je savais pas où aller. Oh, la panique de l'inconnu. Non. Ah ouais, mais je vais où après, moi? Non. Il y a un truc que j'ai pas capté. Ok. Et là, ensuite, comme ça. Ok, comme ça. Très bien. Oh, la plume! Oh!
Ah, j'étais pas prête. Non. Oh non. Je l'ai pas vu. Il était en plein milieu, je l'ai pas vu. Ok. Bah donnez-nous es-tu. Je... Non... Je sais que tu es là. Ah. Ouais, Alex. Ah. Je fasse un diag. Pas vers le haut. Oh non. Je me suis tapé l'orteil, ça va. Mais... Oh, horrible. Il faut... Je pense qu'il faut que je tombe... Faut que je tombe en m'affinant. Je connais pas le nom précis de cette technique. Je crois qu'il faut faire ça. En gros, t'as une technique. Je vous montre. T'as une technique pour... Voilà, t'affiner quand tu tombes. Pour avoir une plus petite hitbox. Oh... Ah... Si étroit. Et parce qu'en plus après il faut que j'aille sur la droite un peu mine de rien. C'est ça qui est chaud. C'est qu'il faut passer bien au milieu et après te resserrer un tout petit peu à droite. Dommage. J'aurais peut-être pu m'accrocher au mur. Non, je sais pas. Tellement pixel de fou. Ah. Ah. Wouah. Putain, si t'es un poil trop éloigné, c'est foutu quoi. Crotte, crotte. Et ouais, c'est ça en fait, je peux pas trop me décaler sur la droite parce que sinon, même en dashant, j'arrive pas à taper le mur. Oh là là. Salut Marion, ça va? Est-ce que tu trouves ce jeu cool? Ah non, je déteste. Je crois que j'ai genre 60 heures de jeu, mais je le trouve immonde. J'y joue pour me faire du mal en fait. Bah oui, je l'aime bien. Ouah ! J'ai les pieds dans les piques, hein. Attends. Ouah, non mais... Oh mais l'abus ! Jamais ils abusent, hein. Horrible tableau, non mais... Ils m'ont sorti un slalom, quoi. Ils sont sérieux ? Ils m'ont pris pour qui ? Non ! C'est un truc de fou parce que là, en fait, si je prends pas suffisamment de hauteur, j'arrive pas suffisamment à slalomer. Autant il y a TOTK qui est sorti cette année, mais Céleste reste mon giga coup de cœur 2023. Oh, c'est beau ça, Esteban. Trop bien en vrai. Ça, c'est, je trouve ça trop bien quand il y a des jeux qui tous les ans continuent d'être découverts, quoi, en fait. Parce que Céleste, c'est quoi, c'est 2017? Ça date de quelle année, Céleste? Même plus vieux encore. Les devs en mode « Ah, tu croyais connaître Céleste ?» Mais en fait, c'est ça. Chaque panneau, c'est « Ah ouais, tu pensais que tu commences à bien t'en sortir, là, t'es sûr ?» Je
l'ai dans ma liste Steam depuis 5 ans, j'y ai pas encore touché. Oh, alors, si jamais t'as le Game Pass, il est dans le Game Pass en ce moment. Vu que c'est gratuit quand tu payes. Ah, ta liste achetée. Ah, ok, ok. Crotte, 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 il m'a saoulé ce tableau. Comme une dizaine d'autres jeux, ouais, bah... Moi aussi, hein, j'ai des jeux... Je sais pas si j'ai beaucoup de jeux auxquels j'ai jamais touché sur Steam. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de jeux que j'ai jamais finis. Il est très souvent réduit, ouais, oui, oui. Bah, moi, je l'avais acheté... Enfin, j'avais joué d'abord sur le Game Pass. Quand il était plus sur Game Pass, je l'ai acheté sur Steam. Je l'ai acheté à 5 balles, genre. Ça vaut tellement le coup. Bon, je pars de là. Non ! J'ai fait le diagonale. Oh, je me déteste. Oh, je me hais. En fait, c'est ça, il faut vraiment que je parte de très 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 haut avant le slalom. Le plus haut possible. On parle souvent des jeux que tu aimes, mais quels sont ceux que tu n'as pas aimés dernièrement? Dernièrement, un jeu que je n'ai pas aimé... Monster Hunter Stories. Pas faux. Un jeu que j'ai pas aimé. Non, dernièrement, ça va. Merde. Non. Par contre, dans ma liste Steam... Des fois, j'ai du mal à me mettre en tête à quoi j'ai joué et à quoi j'ai pas joué. Qu'est-ce que j'ai pas aimé dernièrement? Ou dans ma liste Steam. Eastward. Grosse déception. Hogwarts Legacy, en vrai, je l'ai bien aimé, mais j'ai été un peu mitigée. C'était un peu moins bien que ce à quoi je m'attendais. Qu'est-ce qui m'a un peu déçu aussi? Ou que j'ai pas trop aimé. Non, après, je sais pas, j'ai pas d'autres trucs en tête. Non, ça va, j'ai pas trop d'autres trucs en tête. Ah, Monster Hunter Stories, c'est même possible de faire remove le jeu en contactant le support. Ou qu'il l'efface de ta bibliothèque. Quoi? Comment ça? C'est-à-dire... Genre ne plus afficher en mode « Non, c'est faux, j'ai jamais joué à ce jeu. » Effacer toutes les preuves de gameplay. Days Gone de mon côté, totalement décroché. Ah, j'ai pas du tout joué à Days Gone. Non, après ouais, il y a plein de jeux que j'ai commencé et que j'ai pas trop continué. Putain, il y avait Dying Light... Dying Light 2. Ouais, c'est ça, Dying Light 2 que j'avais commencé. J'avais fait une OP dessus et je voulais le continuer, mais j'ai jamais eu l'occasion de le continuer. Et en fait, je voulais le continuer, mais en coop, c'est pour ça. Parce que je trouve que tout le charme de Dying Light, c'est vraiment la coop. Donc je l'ai laissé un peu de côté. Mais pourtant, très chouette, hein. J'avais trouvé intéressant, tout comme le 1. Et ouais, non, je suis partie de trop bas, hein. Ah. Oh. Ah non, je l'ai loupé! Déçu de fou de Bioshock Infinite. On l'avait tellement vendu comme un banger et ouais bof. Ah oui, je crois pas avoir entendu beaucoup de bonnes reviews de Bioshock Infinite. Faudrait que je termine Ace Attorney, mais je vais faire Farewell à finir, Assassin's Creed Odyssey. Oh, trop de jeu, hein. Puis la rentrée arrive à grands pas, Esteban. Les Ace Attorney, nous on va se les refaire de toute manière. Enfin, la trilogie Phoenix Wright.
On va se les refaire parce qu'il va y avoir la traduction de la trilogie Apollo Justice. Il va sortir. Faut qu'on les fasse. On les fasse avant du coup. Enfin, même si moi je connais déjà les jeux. Mais c'est important pour le lore. À 92% sur Steam quand même. Ah ouais. Je sais pas pourquoi, j'ai pas souvenir d'avoir eu des bons retours. Ça leur coûte rien donc ils s'en foutent, mais il y a des cas où ça peut être utile. Genre t'as une clé région log d'un jeu, tu peux pas y jouer. Ok. Je savais pas. Non. Oh, il me saoule ce passage. Ah, ça, ça sent brûler de fou, là. Hein. Qu'est-ce qui brûle? Ça sent le plastique brûlé, c'est horrible. Hein. Non, je me déteste. Vous aussi, vous avez une mage sur Céleste? Non, je crois pas. Sur quelle plateforme? PC ou Switch? Ah, sur Switch? Après, ça peut être des petits fixes, hein. C'est le cerveau qui chauffe. Mon cerveau qui semble brûler, ouais. Pardon. J'arrête d'être vulgaire. Ah ! Allez, on se concentre. Oh, mais il faut que j'arrête de faire ça, de faire un dash à gauche au lieu de faire une diagonale. Genre comme ça, quoi, la diagonale. Ok, là, j'ai juste rien fait, en fait. Oh là 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 là! Méchante manette. Mais oui, c'est la faute de la manette, bien sûr. Hein. Allez, on va y arriver. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas de bœuf bonbon ce soir. Eh ouais. J'ai pas de bonbon. Du coup, j'ai pas de pic glycémique. Oh, mais merde! Pardon. Petite prédit, voilà. Est-ce que Maëf fait une tableau ce soir, ouais. Ah. Ouf. Envie de me fracasser la tête, là. Tel Dobby. Méchant Dobby, méchant. Ce soir, carrément. Oh là 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 là. Mais... J'en ai marre de louper le troisième. En fait, le troisième, il me met un coup de pression. Parce qu'il y a des petits pics juste avant. Du coup, j'ai peur que si je... J'ai peur que si j'enchaîne trop, je me prenne les pics d'abord. C'est pour ça que je tempo un peu avant de prendre le troisième. Et du coup, je le loupe. Ouais, il faut que je me laisse un peu redescendre, hein. Franchement, aller dormir sans réussir, c'est juste frustrant. Oh, c'est horrible. On est bien d'accord. Si je mets une prédit, elle va réussir avant la fin. Le bœuf bête, c'est puissant. C'est vrai. Bah, du coup, vas-y, fais une prédit psycho, là. Non ! Le
méchant mur. Allez, hein. Le poil de cucu. Je cache le bête, parce que... Ah putain! Je cache le bête parce que... D'habitude, je mets jamais la cam ici. Et en fait, je l'ai mise là pour Céleste. Mais du coup, il y a un bête. Voilà. Est-ce que je passe le tableau avant 21h32? Oh, 11 minutes. Ouais, si je vais trop vite, je me prends ces pics. Hein. Du coup, faut tempo, mais pas trop. Ah non. Stop the count. Ça y est, le count est stoppé. Non, j'en ai marre. Pas voté contre toi, mais contre le lobby des loutres. Ah, vive le lobby des loutres. Non. Allez, je pense que je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Quel manque de précision, les amis. Quel manque de précision. Je ne serai jamais joueuse de Street Fighter à cause de ça. Le Water Hack. Le Water Hack, les amis, c'est la seule source de pouvoir au monde. Vous voyez, on vous vend des produits dopants, des trucs anabolisants et tout pour booster le cerveau pour le gaming et tout. L'eau, les amis. Y'a que ça de vrai, l'eau pure, du robinet. 23. 21-23. Attends, t'avais mis quoi pour le bête, psycho? Ah, 21-32, je crois que t'avais marqué 23h32. Je me suis dit, il a inclus son décalage horaire ou pas? Bon. Oh, je crains le pire ici. Oh, ça pue. Waouh. Oh, il y a un gros truc là-bas. C'était une plume. Ah oui, c'est une plume. En fait, c'est... compliqué parce qu'il faut pas que je perde trop de hauteur ici. J'ai l'impression que tout dépend de mon départ, quoi. Non ! Merde ! J'ai pas regardé où j'allais ! Pardon. Ah ! Ça me stresse trop d'avoir les ténèbres sur la droite. De pas avoir une bonne visibilité. Oh là là, j'ai pas les yeux en face des trous, hein.
J'ai peur. Y'a rien là? Oh! Waouh! Nani? Attends, c'est quoi ce délire? Oh, attends, c'est quoi ce DEL? What? Non. Hein? Quoi? Mike craint donc les Pokémon de type ténèbres. Parce que je suis une fée, c'est pour ça. Bah non, fée c'est fort contre ténèbres. Qu'est-ce qu'il craint, ténèbres? Normal. Petit calcul mental. 243 morts plus le tableau de ses morts. Égal. À combattre un ténèbre. Bon, bah, elle connaît sa table des types. Ok, bon. J'ai compris le délire. Je sens que ça va être difficile. Oh, ça va être trop dur. Ça va être horrible. Parce que je dois me servir de Badeline pour me créer des plateformes et me servir de ces plateformes pour me redonner de l'élan. T'abuses pas un peu, le jeu. Oh là là. Mais crottin! Eh ouais, mais j'essaie de m'enfuir rapidement, moi! Allez, hein? Bois de l'eau! Ah ouais, mais après, je vais me pisser dessus! Je vais essayer de la stun! Ici. Non. Non. Et ouais, parce que après il y a une autre plateforme. On l'a vu, il y a une autre plateforme là-bas. En haut, tout en haut à droite. Je sais pas si je le cache avec ma cam. Elle peut me taper à travers la matière, hein, à travers les murs et tout. Non, mauvais timing. En fait... Ouais, le fait que la plateforme s'écroule... Si on la tape en elle, hein. Eh, je suis baisée, là. C'est dangereux de trop boire, on tombe vite dans l'addiction. Hein. Trop boire d'eau, effectivement, ça rend addict. Hein. Eh, mais je peux pas la toucher, là. Elle est trop loin. Comment je fais? Salut Persinou, ça va? En fait, je vois pas comment je pourrais la retoucher à nouveau. Parce qu'ici, c'est compliqué un peu, hein. Ici, elle est trop loin pour que je la touche. Je vais tenter, mais... Ah! Eh ouais, mais ça a fait tomber ce bloc, mais ça sert pas à grand-chose. Ah, si! Parce que du coup, elle va bouger. Et ouais, donc non, je suis obligée de faire tomber le bloc là. Ah! Ah putain, ça a enlevé le ressort! Ok, j'étais pas prête. Oh non! Et ouais, comme je dois me donner un peu d'angle pour la toucher. Oh!
if, pouf, paf, pouf, ah. Oh merde. Non, mais les piques là. Et merde. Parce que je pense qu'il faut que je passe au-dessus de ce bloc pour récupérer un dash. Oh, vraiment. Mais... je fais nimp, hein. Ah, j'en ai... je vous jure, j'en ai trop marre. Alors je sais, vous allez me dire, oui, mais tu devrais jouer au D-pad au lieu de jouer au joystick. C'est pas possible. Au bout de 40 heures de Céleste, je ne peux pas changer pour le D-pad maintenant. C'est trop tard. Oh non, j'y ai presque, dommage. Un peu paniqué. Et ouais, je mets trop de temps à me mettre dessus. Après, je sais même pas si je suis vraiment obligée de me mettre dessus. J'ai l'impression que sinon, ouais, j'ai pas assez d'allonge. Un petit saut avant. Peut-être parce que je croyais pas en moi, tout simplement, comme d'hab. Non, dommage. En plus là j'ai enchaîné tellement vite. Speedrunneuse la meuf. Ouah, je vais mourir. Non mais ça passe à travers les murs et tout, hein. Faut que je m'en prenne un peu là. Ok. Ah. Oh. Que j'aille en diagonale, il faut que j'aille en haut. Je me fais bait parce que c'est en forme de diagonale, donc j'ai envie d'aller en diagonale, mais en fait non. Faut faire droite, haut, droite. Eh ouais, droite, haut, droite. Ouah, ouah, ouah. Mais qu'est-ce que c'est dur! Ah, ah, c'est si chaud! Non! En fait, j'aime pas... enfin, c'est pas que j'aime pas, mais je trouve que c'est vraiment le plus dur dans Céleste. Ah non, j'ai failli choper la plume! C'est ça qui est le plus dur dans Céleste, c'est quand t'as des... quand t'as des patterns, quand t'as des boss à affronter. C'était ça qui était difficile aussi dans le... pour moi, c'est pour ça que le niveau de l'hôtel, c'est un des plus difficiles. Parce que dans l'hôtel, t'as des patterns avec les miasmes, où les miasmes font des cycles. Et à la fin, t'as Monsieur Oshiro que tu dois affronter. Et c'est pareil, en fait. Monsieur Oshiro, il fait des ruées vers toi que tu dois dodge. Tout en courant,
en faisant ton petit cheminement et tout. C'est ça qui est chaud. Je sais pas comment tu fais pour pas péter un plomb. Les années de Mario Kart dans le sang, ça m'a appris les valeurs du sang-froid. Merde. Non, après, c'est éprouvant, hein, les sessions célestes, moi, je trouve. Hein. C'est pour ça que je joue jamais... Ah, putain. Je joue jamais très longtemps à Céleste, parce qu'après, je trouve que c'est... C'est épuisant, psychiquement et physiquement aussi. Hein. Oh, je l'ai loupé! Tellement plus satisfaisant de réussir après avoir galéré. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En vrai, depuis que je stream, j'ai vraiment pris goût au jeu de tryhard. Et avec Céleste, avec Hollow Knight, avec les Souls, j'aime trop et effectivement, la sensation que tu as d'avoir gagné après des dizaines de minutes, voire même parfois des heures de tryhard, c'est trop satisfaisant. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que c'est pas du... C'est pas de la difficulté bête et méchante. C'est... Il y a des mécaniques, sois bon. C'est pas de la... C'est pas de la fausse difficulté, voyez. Ah, je suis du père! Non, dommage! J'ai pris la mauvaise direction. C'est pas de la fausse difficulté de... Ah bah tiens, on va mettre des physiques bizarres. Ah bah tiens, on va te faire tomber ici. Tu vois, c'est pas... Le jeu est pas là pour... torturer le joueur. C'est juste, on a imposé une sacrée difficulté. Il faut que t'apprennes à chaque fois à t'en sortir, à avoir le bon chemin, le bon pattern et tout. Tout le monde n'a pas la même vision de challenge dans les jeux vidéo. Il n'y a rien à comprendre, juste chacun différent. Ouais, c'est ça. Hein. Et ouais, je sais pas, je trouve que c'est satisfaisant, tu vois, même effectivement dans les Souls, dans les Elden Ring. Apprendre les patterns du boss, apprendre une stratégie, enfin développer une stratégie pour pouvoir le battre. Et réussir à le battre parce que, bah, parce que t'as progressé, parce que t'as été plus fort et tu t'es amélioré, c'est trop satisfaisant. Et je trouve que il y a vraiment cette sensation de... Ouais, de devenir meilleur en fait. Tu sens que tu deviens meilleur et que t'as réussi à le faire en fait. Ça fait trop plaisir. Non ! Oh, c'est nul ça. Oh là 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 là. Je suis bête. Pourquoi j'ai fait ça? Je panique un peu quand j'arrive à ce passage-là. Pourquoi je fais en diagonale? Je me pose la question, vraiment. Oh non! J'aurais dû redash! Non! Oh mais... Pardon. Après, je m'énerve, hein, vous voyez? Clairement, je pète un câble avec moi-même. Hein. C'est avec moi-même que je pète un câble. C'est, je m'énerve toute seule parce que je suis nulle. Je m'en veux qu'à moi-même. Okay.
c'est difficile pour certains, d'autres le font au tapis de danse. Je trouve que ça illustre assez bien. D'ailleurs, tu sais que... je réfléchis de plus en plus à... merde. À relancer Elden Ring. Mais pas avant d'avoir fini soit Céleste, soit Hadès. L'un ou l'autre. Hein. Enfin, pas les trois en même temps. Mais putain, j'arrive pas à gérer ça. Et sur Elden Ring, bah, j'ai toujours Malenia à faire tomber. Hein. Après, l'avantage, c'est que Malenia, j'ai dû lui mettre grand max 10 tries. Malenia, en fait, j'avais un peu laissé de côté parce que j'étais tombée sur elle. Et j'avais dit, ouais, bon, on ira plus tard quand je serai un peu plus forte. Et au final, j'ai fini le jeu et je suis plus jamais retournée voir Malenia. Oh non, j'allais la choper! Elden Ring, challenge tapis de souris. Elden Ring, déjà, challenge bien joué. Challenge, essayer d'être bonne, et puis après, on verra. On est très déçus. Dans le même esprit, j'ai vu un petit streamer finir Ocarina of Time avec des bongos Donkey Kong. Ça me fascine, hein, les gens qui font ce genre de challenge avec des contrôleurs un peu bizarres. Il y a aussi des gens qui se font des contrôleurs avec des fruits et légumes. Genre carotte, une patate. Hop! Allez, il faut qu'on avance là, j'en ai marre. J'en ai marre, toute gorgée d'eau. Elle m'a saoulée avec son laser là. Fuck you, Badeline, hein. Hey-ya! Le gameplay bongo, un classique. Classique! Qui ne joue pas avec des bongos? Non! Putain de passage de crottin! Finir Céleste à l'automatonner. Oh, la nuisance sonore, quoi. L'horreur. Ah non, j'ai attendu. CSGO au volant aussi. Oh, horrible. Déjà, rien que Mario Kart au volant, c'est infâme. CSGO. Mais... j'en ai marre. Ce passage, il me perturbe. J'arrive pas à le régler, ce passage. C'est un peu ça, le problème. Mais ouais! La première partie, c'est good. Allez. On respire. On inspire. On expire. J'ai voulu aller trop vite. Trop speedrunneuse. Je fais n'importe quoi. J'étais en mode, oh mon dieu, j'ai réussi à avoir la plume. Et après, j'ai paniqué. C'était le temps que mon cerveau réalise que j'avais réussi. Oh putain, je me déteste. Thank you.
allez, on commence à régul en vrai. Au moins, c'est l'aspect positif de la chose. Allez, concentration, concentration. De toute façon, je suis plus con que centration. Merci beaucoup. Merci, merci Marion. Merci. Merci pour le deuxième mois, c'est adorable. Parlant de MK au volant, je me sens dépassée par la technologie. Il m'a fallu plus de 100 heures pour comprendre qu'il y avait un gyroscope sur la manette pro de la Switch. Je comprenais pas pourquoi ça allait pas tout à fait droit. Oh non, terrible. Ou alors quand tu te rends compte que la petite antenne existe. Ah, mais la plume, je suis obligée de la taper avec un dash. Je comprenais pas pourquoi j'avais rebondi. Non. Ok. Ça va aller. Gameplay plume. Je suis une plume. Tout va bien. Oh ! Non ! Non, rendez-moi ma plume ! Attends. On va y arriver. Faut juste que je prenne le passage un peu au petit. Waouh. Pourquoi les tableaux sont si longs là? Eh ouais, mais non! Il faut pas que je la tape! Si je suis passée, il faut pas que je la tape. Il n'y a pas de surface en fait sur ce tableau. En fait, là, je suis obligée de la dodge tout le temps. Ah ah! Bah, bien sûr. Ah, dommage! J'aurais peut-être pu récupérer la plume en vrai. Non. Et ouais, si je laisse le temps à la plume de respawn, ça peut le faire, hein. Mais oh, j'ai vraiment le pire timing à chaque fois. Je devrais me laisser le temps de tempo un peu. Voilà. Non, je suis bête. Ok. Tac. Non. Ah, puis la plume à contrôler, c'est pas la chose la plus simple du monde, hein. Je sais pas par où je sors. Ah, faut peut-être la retaper à la fin. Ça va peut-être débloquer un truc. Eh ouais. Ah ouais, mais alors là, le chemin au petit... va savoir, quoi. Parce qu'il y a forcément un chemin au petit, en mode... si tu prends cette plume, puis ce bouton, puis après ce bouton, puis après ce bouton... C'est le plus simple, mais... J'avais re-eu la plume.
Ah non. Le Badlin Skip. C'est Badlin Skip là, ouais. Oh. Dommage. C'est une très mauvaise idée, ça, hein. Je suis obligée de passer par en dessous. Je sais pas si Badlin elle a une utilité. Est-ce qu'il y a une utilité que je la déplace, Badlin? Oh non, je me déteste. J'étais trop bien là. Je sais même pas comment j'ai fait en plus. Je sais plus. J'avais fait un truc bien mais je sais plus quoi. Ouais, un truc dans le style. Ok. Là, ça se trouve, je peux même faire tous les boutons du haut. Et revenir après. Je peux tenter ça. Ouais, non, c'est chaud. Non, c'est un peu chaud. Mais c'est une snipeuse. Non, dommage. J'ai du mal à tempo avec le dash. Oh. Let's go! Attendez un peu. Elle peut me tuer encore? Non. Pourquoi je peux pas sortir? Je peux pas sortir. Non. 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 Badlin. Pas à moi. Pas à moi, Badlin. Je sais qu'on ne fait qu'un, mais quand même. Putain. Pas de Badlin skip. Oh, je suis obligée de l'amener avec moi jusqu'à la fin, donc de la retaper une dernière fois. Le soft lock par Badlin. Ah, oh, ça dégoûte. Ah, ça dégs. Merde. Je suis perturbée, là. Je suis perdue. Perdue mais tous mes repères. Dommage. Eh, parce qu'en plus, il faut que je revienne la taper. Insupportable. Ça complique tellement la situation. À finir dans un cristal, elle va rien comprendre. Badlin, est-ce que je t'ai montré le temple? Tu veux qu'on aille le visiter ensemble ou pas, hein? Tu verras, il est sympa. Ah, dommage. À une demi-seconde près. Mais par contre, il y a vraiment un délire de Badlin Skip.
Genre, si je la touche pas du tout et qu'elle reste là, ça la skip? Genre, est-ce que c'est faisable? Plutôt que de me casser les pieds à essayer de la taper à la fin. Aucune idée. Ah! Je sais pas, moi. Hein. Je suis un peu crédule, hein. Un peu candide. J'ai fait de la de mer. Ah, j'ai fait de la foudre de mer. Et moi, si c'est pas passé à la fin, ça passera jamais. Bah ouais. Ah, mais je panique. J'oublie ce qu'il faut faire. Oh la chatte. Je vois pas comment je peux la taper en fait. Tout en... Merde. Je suis trop bête. Ah moi je suis perturbée hein. Quand je fais pas les choses de la même manière, je sais plus faire après. Touché trop tôt. Allez. Courage. Eh mais fuck you, Badeline. À moins que je prenne la plume de la toute fin, je reviens vers elle. Ouais, mais c'est impossible. Je reviens vers elle. Les cristaux, ils auront repop. Oh, en vrai, il y a un truc. Non, en vrai, il y a un truc. Je prends le chemin comme si j'allais sortir, sauf qu'en fait, je reviens en arrière. Je la tape en étant en plume. Et après, je reprends le chemin. On va faire ça. Peut-être un peu se prendre la tête, il y a peut-être une solution plus simple. Mais je vois pas ce que ça pourrait être. Ah, c'est chiant quand je la touche trop tôt. La plume a pas le temps de repop. Oh! C'est quoi cette hitbox aussi? Ça y est, je commence à employer la mauvaise foi. Oh, dommage! Ah, dommage! Putain, je suis sûre que ça aurait marché en plus, ma strat. Oh non! Oh, le virage! Ce virage, il est chiant! Allez, on va y arriver. Faut être meilleur techniquement, quoi, en fait. Plus de skill, en fait. C'est tout. C'est aussi simple. Et ce virage de mort, là. Et ouais, mais là, du coup, je suis trop descendue. Parce qu'en fait, je sors de la plume en même temps. C'est ça le problème, c'est que je sors de la plume en plein virage. C'est un peu difficile à contrôler. La strat a été téléchargée, ça va le faire. Ce mood me fait tellement penser à la vidéo de « Tu es triste, arrête ». C'est ça, hein. T'es nul ? Arrête. Tu gagnes pas ? Sois plus fort. Oh non hein. On va pas commencer à faire des bêtises
sur un truc qu'on régule. Oh, elle a failli me tirer dessus. Décevant, décevant, décevant une fois de plus, hein. Ah ouais, non, je l'avais senti que je prenais très très mal le truc. Ah, dommage. Et ouais, parce qu'en plus, je peux même pas dash tempo. Parce que c'est trop serré, y a trop de piques autour. Mais flûte! Ouais, les efforts que je fais n'empêchent pour pas dire de vulgarité. Ça s'applaudit en vrai. Hein. J'en ai marre. J'en ai marre ce petit bout de truc là. Hein. Bah oui, bien sûr. Oh là 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 là! J'ai tellement de seum quand je pense qu'on avait réussi à aller à la fin du tableau, quoi. Soft lock. Fatigue ce scénario là. Waouh. Ouf. Pardon, c'est la panique. Je fais nimp. Ça, c'est parce que je suis en train de me déshydrater. Hein. Dommage. En vrai, je peux peut-être prendre un tout petit peu plus mon temps. Sur la deuxième plume. Comme ça, quand je sors de la... Enfin, la troisième plume, même. Comme ça, quand je sors de la plume, ça me fait pas foncer dans les pics. Ça me fait juste retomber un peu plus doucement. Et ouais, non. Ça reste chaud, hein. Ça reste du poil du cul, quand même, hein. Ah, j'en ai trop marre. Peut-être que je prends le virage, que je prenne le virage plus large, je sais pas. N'en prendre qu'un et garder l'autre pour l'élan que te donne Badlin. Des petits boutons. Peut-être. Ouais, peut-être à voir. Non, je pense qu'en vrai, en prenant le virage plus large, ça se fait. Juste que je touche pas Badlin quand je prends le virage plus large, quoi. Parce qu'en plus, elle a une hitbox de zinzin avec ses grands vaches là. Ah, dommage! Ah, j'y ai tellement pas cru, j'ai pas été réactive. Mais ça se fait. Ça se fait, ça se fait. Enfin, façon de parler, quoi, mais on va y arriver. Ah, mais merde, je m'écoute pas, hein.
Ah oui, mais non. C'est pas drôle si tu fais ça. Attendez. Je me craque un peu les doigts. Je me détends. Petite pause stratégique, là. Allez. J'ai un peu pris trop large. La passe. Ah, c'est horrible. Oh non ! Je gâche trop de temps. Non. Non. Je suis trop triste. Si on l'a fait une fois, on peut le refaire. C'est comme ça que ça marche. Allez. On perd pas espoir. On est si proche du but. On va pas abandonner maintenant. Oh non ! J'ai pas capté que j'avais repris la plume. Oh mais putain de plume de ces morts. Oh Mr. Drift. Mais non. The original Mr. Drift. The real Mr. Drift. Oh là là. Comment t'as fait? Raconte-nous tout. Ok, je viens de capter un bail. Et ce sera plus simple, en fait. Je pense que t'avais raison, Xou, en vrai. Je pense que t'avais raison. On va tenter une autre strat. Ouais. En fait, je pense que c'est mieux de faire ça. C'est de prendre la clé d'en bas, la deuxième, taper Badeline, prendre celle d'en haut, redash et retomber en bas. Je pense que c'est mieux. Sinon, c'est trop... C'est trop millimètre, quoi. Et puis, ça me fait faire un aller-retour, quoi. De toute façon, c'était sûr que la strat de faire un aller-retour, c'était pas la bonne strat. Ça n'aurait pas été logique, en fait. Il m'a racheté son pseudo. En gros, ils ont réussi à faire un lien entre mon compte Twitch et l'appli d'authentification. Et genre, j'ai reçu le mail il y a 5 minutes que j'allais dormir. Ah, mais non, trop bien. Oh, bonne petite nouvelle avant d'aller dormir, là. Trop bien, en vrai. J'avoue que je pensais à l'inverse et commencer par celle du haut. Mais ça a l'air de passer. L'aller-retour aussi avait l'air de passer. Ouais, au final, l'aller-retour, je pense que ça marche aussi. Mais effectivement, c'est plus casse-pied, quoi. Bisous Mister Drift, bonne nuit. Et bravo pour ton compte. Ouais. Bon après il faut que je gère un peu là le dash Madeline. Enfin Badeline. Et après on sera pas trop mal, j'espère. Ouhouhou. Ouais, parce que c'est... Il faut que, voilà, il faut que j'ai une bonne trajectoire malgré tout. Oh non, je fais un peu nimp. C'est mon cerveau se déconnecte, là.
Je l'ai pas touché, elle. Je l'ai battu. Allez. Tout va bien se passer. Bah oui, mais non. Tu t'as pas le droit de me tuer avant. C'est compliqué, hein, le petit air control, mine de rien. C'est pas si simple, en fait. Merci beaucoup, Psycho. Merci pour l'abonnement à Esteban. Adorable. Ouais, j'ai mis une pause pour ça, ouais. Ouais, j'ai raté mon trial pour ça, ouais. Merci beaucoup, Psycho, c'est adorable. Ça allait trop vite. Ah oui, parce qu'après elle a toute faim. Elle se retrouve vraiment tout au bout de la map. Putain. Vas-y, on va tenter de choper celui du haut. D'abord, ce sera peut-être plus simple. On va voir. Ah oui, je pense que ce sera plus simple, en vrai. Bon, je dis ça à chaque fois, mais je pense que réellement ce sera plus simple. Bon, je me déteste un peu, mais... On a le truc, on a le truc, ça va le faire. Merde. Allez là, c'est la peur de gagner qui m'empêche de progresser. Je trouve la méchante plus stylée, on a le droit de la soutenir. C'est vrai que j'aime bien Badeline aussi. Allez là. J'aurais pu mourir. Ah, elle était en train de préparer son Kamehameha, là. Et c'est pas fini. Ah ouais, elle fait les deux. Oh, elle fait les deux. Elle fait laser plus bouboule. Wouah. Wouah. Non, mais allez La bouboule, elle me perturbe, là. Ça peut pas être pire qu'avant, aussi. Honnêtement, ce chapitre ne cesse de me surprendre. Non mais déjà j'arrive même pas à passer ici. Ah. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Si on sait jamais. On va attendre un peu. Après c'est Céleste, on n'est pas censé attendre dans Céleste. C'est du tac au tac. Ça,
ça, je comprends pas. Est-ce qu'il faut que je saute et dash? Ou juste dash? J'ai l'impression qu'il faut que je dash. Oh là là! Ce passage-là! Pourquoi ils ont décidé de faire un passage si étroit en tout début de map? Non, il faut pas que j'attende. Hein, parce que le rayon ici, c'est le pire. Oh merde, il y avait des pics! Je les ai pas vus! Oh là là! Eh non, j'aurais pas dû dash. Eh oui, non mais je dash pour rien en fait. Allez, hein, j'attends trop. J'enchaîne. Putain. Je panique trop. Je suis pas sûre de moi. Ah, dommage. Oh, jure! Je l'ai tapé en même temps. Arrêtez de faire des passages étroits, s'il vous plaît. En fait, si j'ai pas le bon timing dès le début, c'est la mort. Oh non ! J'étais pas prête pour le lâcher de plume. Mais oui, il fallait que je la tape. Non. Maudit bumper. Trop sur le déco. J'imagine trop les gens qui regardent le live sans les images. C'était très bizarre en vrai. Je parle pas beaucoup mais je fais beaucoup de bruit. Ça va être très perturbant. Non mais putain, j'ai de la smoule à la place du cerveau. Je regardais au début, maintenant je suis en leurre, je confirme ses cheveux. Merci pour ton honnêteté, Elias. Non ! Ah, jure ! Moi, il y a une bonne musique. Exactement. Bon, elle boucle un peu depuis tout à l'heure, quand même. Oh, faut être vif ici, hein. Avec la petite plateforme qui tombe et le laser, ça veut dire que t'as pas le droit de tempo. Tu dois dodge le laser et partir de la plateforme. C'est ok comparé au PNJ dans Zelda, je pense. Oh. Oh non.
Dommage, c'est la mort qui m'attendait. Pardon. Je fonçais tête baissée dans les pics. Je passe en Just Shelling maintenant. Ça y est, je chouine. Je vais faire mon bébé. Je vais faire mon bébé, je vais pleurer. C'est bon. C'est acté. Pardon. Plutôt en Just Salting. On va retrouver un nouveau débat. Allez, go, go, hein, go trouver un sujet de conversation, là. Alors, les blagues antisémites sur Twitch. Qu'est-ce qu'on en pense? Non, là, en plus, mon cerveau, il est plus capable de... et d'avoir un débat sérieux et de me concentrer sur le jeu, là. Quoique, des fois, ça aide, en vrai. Quand je suis pas 100% focus sur le jeu, que je parle et... Non. Non. J'ai lutté pour ma vie. Ouais, quand je parle, que je fais d'autres trucs... Enfin, ça marche par exemple sur Mario Kart. Hein. Oh, merci beaucoup, Xystale, pour le... le sub renouvelé. Ça n'a fait aucune notif, mais merci beaucoup. Et du coup, le stalinisme. Alors, plutôt communiste ou capitaliste? Plutôt droite ou plutôt gauche? Que pensez-vous d'Emmanuel Macron? Marine Le Pen ou Mélenchon? Pâte au ketchup ou pâte au sucre? Oh, non, quand même. Pâte au ketchup. Ketchup, c'est une vraie sauce. Enfin, c'est pas une sauce à pâte, mais c'est une vraie sauce. Alors que le sucre, c'est fait pour aller dans les crêpes et les gaufres, et c'est tout. Ça, c'est une abomination, ça, les pâtes au sucre. Non. Et dans le ketchup. Après, dans le ketchup, il y a du sucre. Ça, pour le coup, on a un petit paquet, ouais. Non. Je commence à fatiguer, là. En vrai, pour les connaisseurs, on a bientôt fini la phase B ou pas? Est-ce que c'est bientôt fini la torture? Plutôt Bigard ou Le Pen? Plutôt Bigard ou Lalanne? Plutôt Bigard ou Dieudonné? Les pires débats! Ouais, tu vois, les gens qui font des débats pas au chocolat, chocolatine, moi je pense qu'ils prennent vraiment aucun risque. Ils veulent faire du clic sur des débats nuls que tout le monde a déjà fait. Alors qu'un vrai débat comme Bigard ou Dieudonné, ça c'est du bon débat. Ça c'est intéressant socialement parlant. Ne répondez que si vous savez. Hashtag le pote du public. Ah! Ah!
un checkpoint. T'as fait les deux tiers. Ah ouais. J'en suis qu'aux deux tiers. Plutôt Norman ou vodka. Trois quarts. Waouh. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, hein. Ah, il reste deux tableaux. Ah, bon, ça va. S'il reste deux tableaux, franchement, on se les fait. Parce que là, deux tiers, trois quarts, j'ai eu peur. Je me suis dit, ok, il me reste genre six tableaux encore. On n'a pas fini. Mais ça va, en vrai, s'il me reste deux tableaux. Je me tâte à aller me chercher un peu d'eau, par contre. J'ai soif de fou. Je me déshydrate et c'est important de rester hydraté sur Céleste. Alors, j'arrive. À tout de suite. Attendez, je check juste un petit truc. Une petite recherche personnelle. Ok, ouais. Good. Je cherche un petit truc pour plus tard. Pour après, pour après. Hop. Bon, on a des Kevin ici. On a des Kevin qui, lui, va à gauche et à droite. Et pourquoi j'ai un diams ici ? Je crois que j'ai capté le bail. Ok. Ah non, il reste 5 tableaux. Là, c'est le dernier checkpoint. Il doit rester, je pense, 5 tableaux. Ah ouais. Ça va faire long, hein. Pas sûr qu'on le termine ce soir, les amis. C'est chaud. Est-ce qu'il faut que je parte de plus haut, peut-être? Oui. C'était ma position sur Kevin. C'est très bizarre de dire ça comme ça. Qui a une certaine importance. Ouch. Surtout pour éviter de se faire écraser par les pics. Oh, j'ai pas du tout eu l'élan. Non. Titre. C'était très titre matériel, ouais, effectivement. Non plus. Non plus. Oh là là, j'y arrive plus. J'ai perdu mon mojo, comme dirait l'autre. J'arrive plus à rebondir. Je suis plus assez vive. Non mais ça y est, hein, mon cerveau s'est éteint pour la soirée là. Officiellement passé en mode veille. J'arrive plus. Ça y est, je pue la merde.
fini, fin de carrière. Kevin est pas folle de ma coiffure. Ouais, il se la joue un petit peu punk, ouais. Kevin est dans son air punk. Comment, pourquoi j'arrive plus? Ah. Bon les amis, c'était peut-être pas notre dernier tableau. Peut-être qu'en fait, il faut s'arrêter au checkpoint un jour. J'arrive plus à rien. J'arrive plus à rien, les amis. Je pense qu'on va s'arrêter là, en vrai. C'est la fatigue physique, la fatigue cérébrale. Je pense que là, j'ai donné tout ce que je pouvais donner à ce chapitre. Puis en vrai, il nous restera... Maï du futur nous délivrera. Mais c'est ça, Maï du futur qui est toujours bien plus fort de toute manière. On compte sur elle comme d'hab pour prendre le relais. Hein. J'ai bien fait sauvegarder quitter. Hein. Oui, c'est bon. J'ai eu peur. Oh, mais de toute façon, il y avait le checkpoint. Donc même si je faisais retour à la carte, c'était ok. Ça aurait déjà sauvegardé.